Et salut tout le monde! Coucou coach, re-coach, coucou Alionis, merci pour ton lurk. Et coucou Pascal, comment est-ce que ça va? J'ai enfin calé mes quatre écrans. Eh ben, putain, t'as tout reçu, t'as tout installé. Mais d'ailleurs, pourquoi t'avais besoin d'autant d'écrans, coach? Eh ben moi ce matin j'ai farmé pour vous pour que ce soit plus cool pour vous. Et du coup, j'ai eu le quart de cœur de Madame Cocotte. Bah, c'est surtout que j'en ai besoin de 3 et mon taf en jette un. Ah oui, d'accord. Donc c'était l'occasion d'en récupérer un, quoi. Donc oui, j'ai eu le quart de cœur de Madame Cocotte. Du coup, il m'en reste 2. J'ai farmé les figurines aussi. Donc, je les ai toutes. J'en ai chié. Et d'ailleurs, oui, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une troisième grande fée. Elle peut agrandir votre carquois. Ah, mais en plus, c'est marqué grande fée de la vallée des rois. Ok. Ah, bah, ça va être vachement plus simple pour la trouver. Du coup, 3 horizontaux et 1 en haut. Ah oh bah là, au moins, t'es paré. Du coup, oui, je vous attendais pour le lui dire qu'on avait tout eu. C'est génial, t'as réussi à avoir la collecte des figurines de la galerie. Eh ben, t'es le roi des collectionneurs, franchement, tu m'épates. Je tiens à te remercier de m'avoir montré de si belles pièces. J'habite juste là, tu peux aller chez moi et prendre ce qui te plaît. Oui, les riches sont très généreux. Ok, donc en fait, le quart de cœur, c'est chez lui. Ok, du coup, il m'en manque un. Oh, 200 balles. 200 balles. Et 200 balles. Ok. C'est un phonographe, il a l'air en bon état. Tu veux le mettre en marche? Ouais, bah vas-y. Y a combien de musique dedans? Du coup, on va aller dans la vallée des rois. Il nous manque un quart de cœur. Il me semble qu'il y avait un endroit. Il me semble qu'il y avait un endroit où on avait besoin justement d'être 4. La vallée des rois, je peux par là. Je suis pas sûr. Je crois pas. Ça doit pas être par là. Peut-être plus haut encore. Paripapapapam. Je crois que c'est par là. Ouais, du coup, il me semble qu'il y a un endroit où j'ai besoin des quatre bonhommes, mais je me rappelle plus où c'est. Et il me semble qu'il y avait justement un quart de cœur. Ok, la vallée des rois. Ah non, on me dit pas que c'est là. Genre ici, il y aurait un truc. C'est là.
Putain, je l'avais pas vu. Ok. Bonjour, je voudrais un carquois, s'il vous plaît. Bienvenue à la Fontaine des Aventuriers. Voudrais-tu bien me faire part des souvenirs de ton aventure? Bah, let's go. Le premier élément que tu as trouvé est bien l'élément feu. Bonne question, bonne question. Et merci pour le reset, Pascal. Let's go. Merci beaucoup. Merci, merci. Et d'ailleurs, quand est-ce que tu restreams, Pascal? Ça fait un moment là, ça fait pas. Ça passe vite, mais ça fait pas un mois ou deux que t'as pas stream. Le premier élément que tu as trouvé. Non, c'était l'élémentaire, je crois. Oui, c'était les miniches, du coup c'était l'élémentaire. Donc non. Ton grand-père s'appelle bien Smet. Non, il s'appelle Smith. Melta, le forgeron du Mont Gongle, a bien 7 apprentis. Alors attends, il y en avait 1, 2, 3, je crois, qui creusaient la roche. Il y en avait un qui courait partout. Oui, mais oui, ils sont 7. J'avais même compté Lily, j'avais dit ah, comme dans Blanche-Neige et les 7 nains. Du coup, oui, il a 7 apprentis. C'est bien la noix Glagla qui permet de comprendre le Minish si on la mange. Non, c'était la noix Blabla, je crois. Le manteau de Darthas, le roi d'Hyrule, est bien de couleur blanche. Non, il est rouge. Tu as vraiment une bonne mémoire. Tu mérites une petite récompense. Oh, let's go! Ah, donc en fait, il fallait pas se tromper, quoi. Pourrais porter plus de flèches. Que la fortune guide tes pas. Ok. Ça fait bien 3 mois, oui. Mais comme mon resub peut le laisser deviner, ma situation se stabilise un peu. Tu m'étonnes. Moi, ça fait. Là, j'avais fait des subs de. De. Comment dire? De. C'était genre des subs de 3 ou 6 mois. Du coup, en fait, c'était pas débité. Enfin, c'était débité en une seule fois. Je crois. Du coup, j'avais fait ça à un moment où, limite, financièrement, ça allait, quoi. Mais là, du coup, ça fait un moment que j'ai pas resub à droite à gauche. Même chez ma sœur, là, c'est arrivé en fin de vie le sub. En plus, je crois qu'ils sont plus chers maintenant. J'ai entendu dire que ça avait augmenté. Du coup, oui, et du coup, apparemment, médaille Tendo, donc j'imagine que même si j'ai eu toutes les figurines, il va en faire d'autres, parce qu'il m'a dit qu'il allait en faire d'autres quand il aurait l'inspiration. Donc je pense que quand on va aller battre Vaati, on va peut-être avoir de nouveaux monstres, ou alors tout simplement Vaati, hein, qui sera en figurine. Et let's go, Omega! Du coup, de toute façon, faut qu'on batte Vaati, faut qu'on retourne voir le Bigoron après. Du coup, on récupérera peut-être de nouvelles figurines. Là, en gros, il me manque juste un quart de cœur. Et franchement, ça fait chier, quoi.
Ça fait chier parce que... Pas drôle d'être toute seule, faut une maison à moi aussi. Bah ouais, mais j'aimerais bien ma petite. Comment il va, Oméga? Où est-ce qu'il peut être ce putain de quart de cœur? C'était un endroit où on devait être quatre. Peut-être là-dedans. Ah mais... Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était fermé carrément. Ça roulotte, ça roulotte. Et toi, bah ça roulotte aussi. Ah, peut-être là. Ah mais non, ça c'est le truc qui est par rapport au puits. Putain, par contre, mon épée, du coup, elle crée pas mal de fées. Ça roulotte, on essaye le 100% sur Minish Cap, il me manque plus qu'un quart de cœur. Et ensuite, on va faire le grand méchant. Et on aura fini. Donc c'est cool. C'était pas là. Attends, ça me dit quelque chose. C'était pas en tant que Minish? Je me demande si c'était pas là-bas. Où il est, bah, je me demande s'il n'est pas ici le dernier quart. Oh putain, c'est là, c'est sûr. Oui, il est là. Parce qu'il fallait. Il fallait qu'on soit 4 pour pouvoir pousser ça. Let's go! Les fragments du bonheur, on s'en fout, on a fait tous les assemblages. Ok, bah c'était que des fragments rouges. Du coup, on a eu tous les fragments, on a eu toutes les figurines, du moins qu'on pouvait avoir. On a tous les cœurs, on a tous les flacons, on a eu l'augmentation des flèches. Par contre, oui, par contre, ça, on m'avait dit que sur le jeu en français, il y avait un bug et que l'augmentation des bombes n'existait pas. Donc, nous, sur le jeu européen, on est bloqué à 50 au niveau des bombes parce que, en gros, le gros sac de, le sac de bombes qui aurait dû apparaître ici. Bah, il y est pas. Donc voilà. J'arrive au best moment! Mon coquin, comment il va, mon cosmique? Merci pour le GG, Pascal. Du coup, ben c'est la fin. On va aller au château. Je vérifie, mais je crois, hein, on a tout. Hein. 4 flacons, on a tous les cœurs, on a eu tous les précis d'escrime, on a eu tous les assemblages. Ouais, bah let's go. Let's go, let's go. Allons faire le dernier temple entre guillemets. Vu que ça n'est pas un temple, c'est le château d'Hyrule. Château des ténèbres. Donc, hier, on avait eu la carte. Donc, bon, on va se balader un peu pour voir. Faut faire gaffe parce qu'il y a des portes qui nous tombent sur la gueule. Ça va chaudement et toi, la forme. Ah ouais, aujourd'hui, putain. Aujourd'hui, je me suis tapé du 31 degrés là. Ça a fait du bien là. Du coup, je. Ah!
Descendre. Je crois qu'on vient de là. Et du coup, je suis allé lire sur le bord de mer, mais je suis pas allé sur un banc en plein cagnard. Je me suis foutu sous un palmier. Ok, ça, c'est ce qu'on avait fait hier. Donc, bah avançons, hein. Découvrons un peu ce palais des ténèbres. Ok. Eux, on va les défoncer comme ça. Putain, du coup, les chauves-souris, on les transforme en fées. Enfin, pas toutes, mais. Ce soir, je vais ronfler dans le hamac. Let's go! T'as pas trop de moustiques. Oh, le fastos! Comment ça va? Et merci pour le raid, fastos! Oh putain, on se barre de là. Ici, normalement, on est tranquille. Et salut les raiders! Alors attends, un petit saut pour la troll bombe en chef. Tu étais sur FTL? Ça va bien. On est sur la fin de. Non! Pourquoi j'entends. C'est vrai que j'ai Ah, pas le si, je mantle t'entends. quand je viens de mourir. Oh non, je suis un Ah débile. non! Vas-y, j'ai envie de savoir c'était quoi dans Meilleur les clip, secrets. tu m'étonnes. Oh, la mort la plus Et stupide, quoi. ouais, on est sur la fin de Minish Cap. On est en mode 100% du jeu. Donc là, on a tous les items. La mort trop stupide. Hein. Alors, qu'est-ce que t'avais dans la treasure? Putain, et en plus, si j'ai piffé l'item avant. Ah mon dieu. Ah mon dieu. C'était une one-up. Oh Putain, j'avais non, oublié qu'il fallait reset. putain! Abusé, quoi. Genre le jeu qui troll. Qui te troll, mais bien comme il faut, quoi. Au secours. Bah du coup, nous, ouais, on est en mode 100% sur Minish Cap. Donc là, on a tous les flacons, tous les objets. J'ai eu tous les cœurs, j'ai fait tout. Toutes les associations possibles. On vient d'avoir les 130 figurines. Je sais pas si ça vous parle, si vous connaissez le jeu. Et donc là, on est dans le château final. Donc voili, voilou. Je vais faire à manger et lurker devant le stream. La bise, et ben bonne popote. Merci encore pour ton raid. Et des oubix. Et bonne app. Oh putain! Ah les bâtards! Tu devrais essayer de renvoyer les boules de cette statue avec ton épée. Ok. Ah d'accord. Ah mais il va falloir qu'on soit nombreux. Ok. Salut les mains. Oh putain. Ce serait peut-être un peu plus malin de mettre mon bouclier du coup. Ouais, et donc? Ah, c'est. Ok, ça va être. Il faut que j'allume tout.
Ok. Ok, faut que j'allume tout. Ok. Ouais. D'accord. Aïe, j'ai pas pu. C'est des mains comme ça qu'il me faut pour me gratter le dos. Ah ouais, mais elle t'attrape, elle te renvoie au début, donc merde. Donc c'est des mains pas top top quoi. Ok, tout ça pour ça. Ok, pour une clé. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Donc, on a fait le tour. Où est-ce qu'il y avait une porte? Qui avait besoin d'une clé. Ici, je crois. Ouais. Ok, merde, putain, j'avais pas vu. Ah, fait chier. Ah, le con. J'aurais bien aimé un cœur, par contre. Ah, ça, c'est cool. Un cœur, c'est cool pour avoir les attaques à distance. Ça sert à rien d'aller en face. Ok. Ok, il va falloir renvoyer. Ok, il faut les renvoyer les quatre en même temps. Ok, quatre alignés. Ah oui, mais non, pas quatre alignés. Un vers là-bas. Un vers là-bas. Quoique. Comment? Parce qu'en gros, je peux pas le tourner. Ou alors, il faut simplement qu'on passe une attaque comme ça. Vas-y, on va essayer. Voilà. Tout simplement. Oh putain. Merde. Et genre, y'a rien. Genre, je suis venu ici pour que dalle.
J'ai pas... Ok. J'ai pas dû comprendre alors. À moins que je puisse monter à plusieurs là-haut. Ok, je ne peux pas. À quoi ça sert d'être ici? Puisqu'il n'y a rien qui est apparu. Par contre, on dirait que possiblement on peut tomber dans cette pièce, peut-être de plus haut. J'ai aucune idée du délire. On va aller là pour voir. Ça, j'ai déjà fait. Ça, c'est une fosse. Eh, mais ça, j'ai déjà fait. Alors là... Ok, là on n'est pas dans le... On n'est pas considéré dans le château des ténèbres. Du coup... Faudrait que je retourne au rez-de-chaussée. Comment je fais pour aller au bout? Parce que là, du coup, je suis coincé. Donc je peux que aller là-bas. Là-bas, j'avais déjà fait le tour. Mais bon, on va y retourner. Voilà. Il y a un trou dans le sol. La porte, c'est une porte foireuse, il me semble. Ça, c'était la prison. Du coup, il y avait les trucs des mini-niches dans le coin. Ok, donc eux, ils sont tous là, quoi. C'est bizarre, tous ces tapis, là.
Est-ce qu'il faudrait que je bombe les tapis? Comme dans Isaac? Non. Donc, ici, ça me sert à rien. Ça... Ah! Attends, là-bas, il y a un truc. Ok, en fait, j'ai jamais pu aller de ce côté-là. De l'autre côté. Ça sert uniquement à être mini-niche et aller dans la prison. Ouais, à aller dans la prison en tombant dans le trou. Ça, c'est juste pour vérifier s'il n'y avait pas un mur à la con. Ok, ça c'est foireux. Je crois que je suis obligé de passer par là. On va juste vérifier en bas, je crois qu'il n'y a rien. La lune! Ok, donc ici, il n'y a rien. Bon, je leur que... Mais je veux mon hospice. Alors, attends. Voyons voir. Que l'avenir te réserve. La lune, arcane 18. Nécessité de cacher quelque chose. Je crois que tu l'avais déjà eu, ça, non? Je ne sais pas ce que tu dois cacher, mais... Mais voilà, c'est mystérieux, dirons-nous. Ça, j'ai tout fait, ça ne sert à rien. Encore? Bah ouais. Je sais pas ce que c'est, ce que tu dois cacher, mais... Mais ça a l'air important. Ok, donc ça on l'a fait, c'était pour une clé. Ça on l'a fait aussi. En soi on s'en fout. Ah, le bâtard, il m'a touché. Ça, on l'a fait aussi. Ah, du coup, on a fait tout le tour, hein. On a fait tout le tour, on a eu la clé. Qui nous a permis d'ouvrir l'escalier. Sauf que l'escalier... Oh putain. Ici, ça nous sert à rien. Vas-y, je veux un cœur. Merde. Ok, il n'y a pas de cœur. Donnez-moi des cœurs. Ça, j'y suis allé tout à l'heure. C'est cool, je les éclate en un coup maintenant.
Ça, je me demande à quoi ça sert du coup. Aïe! Oh les bâtards! Cherche la secrète. Franchement, je suis perdu. Tout ça, on l'a fait. Tout ça, on l'a fait. Mais on n'a pas accès. Pourtant, il y avait une sorte de mur en pierre de l'autre côté. Ah! C'est ça, putain, les bâtards! En fait, il fallait se rappeler que de l'autre côté, il y avait un mur cassable, quoi. Putain, waouh. OK. OK, donc là la salle d'eau, putain. Ouais, mais... Non, vas-y, là, j'avais... Ah bon? Ah bon? Par contre, ça, ça a bougé. Ah. On va d'abord aller en bas, parce que ça doit être un secret. Bonjour, la momie. Vas-y, lâche-moi, là! Allez, je suis tombé avec tes conneries, là. Ok. Ok, donc ça veut dire quoi? Qu'on peut monter? Ah ok, d'accord. Il aurait fallu en fait que j'aille tout droit. C'était, en fait, c'était le chemin... C'était le chemin final, celui-là. Il fallait que j'aille là, parce qu'il y a le coffre. La boussole. Ok. Bah moi je pensais que c'était juste un secret ça, mais... Mais en fait non. Donc, on a tout fait, tout fait.
quasiment tout fait. Il y a des coins. Il y a des coins. Ok, il y a des portes à chaque angle. Ok. Ok. Tu veux pas me donner des cœurs, s'il te plaît? Ok, on va vite mettre le boomerang. Voilà. Ah, je peux pas les pousser, ces trucs-là, ok. D'accord, on va passer par l'extérieur, du coup. Ouais. Ok, il y a des boulets de canon. Pourquoi est-ce qu'il me touche? Ok, je n'ai pas l'impression que je puisse. Merde. Ok. Ah bon, je peux pas sauter, ok. D'accord. Faut juste éviter les boulets, quoi. D'accord, c'est juste ça. Je veux bien des cœurs. Non, ok. Ok, pas de cœur alors. Ok, il y a un truc à 4. On va d'abord se balader pour voir. Ok. Ça va être à pousser ici. Là où je peux pas sauter. Ok. Ok, on récupère lentement mais sûrement nos cœurs. Alors. Ok, très bien. Ça se passe bien pour le moment. Ok, donc ça va être la salle qu'on n'a pas vue. Allez, le bâtard là, vas-y. Donc,
Ok, là on ne peut rien faire. Est-ce que je peux sauter de l'autre côté du coup? Avec ma cape? Ah, mais non, mais saute pas, voyons! Aïe! Ok, des flèches. Ok. Un, deux, ok, donc les deux avec un espace. On va faire ça, on verra si ça... Ça convient. Ok, c'était pas des boutons pressoirs. Ok. Ok. On a un premier TP. Eh, mais c'est bizarre, on n'a pas eu le bleu. Comment c'est possible? Pourquoi j'ai pas eu le bleu? Pourquoi j'ai direct le rouge? Ok, la porte s'est fermée. Très bien. Ouais, ok. Ok, là aussi. Ok, je ne peux pas. Par contre, je peux les récupérer. Ah merde, mais par contre, des bombes. Et ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est que mes bombes, elles sont... Pourquoi est-ce qu'elle bouge? Pourquoi est-ce qu'elle tombe? Ok, par contre, il va falloir qu'on saute là-haut aussi. À quoi ça sert, en vrai? J'ai pas bien... Ah, ok. Ok.
Le jeu doit être si dur si t'as pas les vainqueurs. Ouais, non, mais en même temps, c'est aussi parce que j'ai vainqueur que j'y vais un peu à la bourrin. Après, là, par exemple, tu vois, tout ça, là, ça te fait des faits. Donc, en soi, tu vois, c'est pas non plus. C'est pas non plus un truc de dingue. On va aller à droite, histoire de terminer le. Ok, voilà. Au moins, on a fait tout le tour. Du coup, nous, on est arrivé par là. Ah, par contre, là-haut, on l'a jamais fait. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ok, c'est juste pour faire le tour plus rapidement, ok. Tu vois, là, par exemple, je peux farmer de la fée à outrance, quoi. Merde, j'ai inversé mes. Ben on va aller là-haut. Ok. Allez, non, je veux pas que tu fasses cette attaque-là. C'est lui en fait qui. Lui, il fait très très mal en fait. Je sais pas si je peux lui mettre un coup de boomerang ou quoi. Ah, ou des bombes. Des bombes, puisqu'elles sont. Ah, ça l'a sonné un peu. Ça le sonne, mais je suis pas sûr que ça lui fasse grand mal. En soi, c'est plutôt pas mal hein, le truc des bombes. Hein. Ok, donc c'était là le bleu. Certes, je vois. Ah, ok, d'accord. Oh putain, d'accord. Ah, ça va pas être les mêmes là. Ça va pas être les mêmes du tout. D'ailleurs, je pense que c'est fait pour hein, le fait de farmer là. C'est fait exprès. Mais encore faut-il savoir que tu peux faire des faits avec le boomerang. Donc, je me demandais pourquoi j'avais pas le bleu. Eh ben, je suis fixé. Ok, il va nous falloir. Ah bah, tu vois, en plus, là, il me file plein de cœurs. Il va me falloir plein de clés. Et du coup, les clés sont certainement aux quatre coins. Aux quatre coins avec tous les bâtards.
Ok, du coup, salut les squelettes. Ok, il y a des mains. Putain, il y a des saloperies de mains à la Isaac qui nous tombent sur la gueule. Ok, d'accord. Il va falloir tirer dans les yeux. C'est pour ça qu'on avait... C'est pour ça qu'il y avait plein de flèches. Nous, on veut monter. Mais il y a aussi un truc en bas. Alors, voyons voir. Ah non! Je suis obligé de descendre? J'ai l'impression. Bon, bah, on y va. Hein. Ok. Y a quoi là-bas? Très bizarre. Très très bizarre. Ok, ça va être, voilà, l'une des quatre clés. Je sais pas à quoi ça m'a servi d'ouvrir cette porte, en fait. Peut-être pour plus tard. On verra. Donc, là, on l'a battu. On va aller en bas. Ok, salut. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, mais ça va être trop chiant avec les bombes, en vrai. Ok, Eden. Ok. Bon, en fait, ils sont flippants niveau couleur, mais en fait, ça va. Ils sont pas... Ils sont pas si méchants que ça. Ok, on va encore avoir un... On va encore avoir un puzzle à faire.
Bon, ça va. Hein. C'est pas ultra compliqué. Salut les fantômes. Ah non, me lèche pas. Hein. Ah mais vous êtes des sacs à PV ou quoi? D'habitude, il me semblait que je les tuais plus vite que ça. Ok, donc là, c'est par dehors que j'y arrive. Très bien. On va descendre et ensuite on montera. Oh, plein de ressources, ok. Je sais pas ce qu'il y aura dans le gros coffre, vu qu'on a déjà... Ah bah si, je suis con, ce sera la clé du boss. Donc... Cette fois, on va aller où? On va aller à droite. Salut! Oula! Non, vas-y! Pourquoi tu m'as attaqué là? Allez, viens là. Alors. Donc. Et je peux pas le faire, là. Bah voilà, tout simplement, j'ai même pas besoin d'être 4. ok, là il y a les bâtards. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. On va aller au rez-de-chaussée par là. Ok, je vais me faire croquer. Ok, donc ça servait à rien de venir au rez-de-chaussée, à part à bah, visiter toutes les salles en fait. Hein. C'est pas grave, nous on aime tout visiter. Je sais pas à quoi ça a servi par contre le bouton. Ah, peut-être à ouvrir la porte là-bas, mais je crois qu'on... Non, on y est déjà... On en venait de là. J'ai aucune idée de ce à quoi ça a servi du coup. Je peux pas passer par là.
falloir faire tout le tour. On va préparer des cœurs. Ah, je préfère ça. Je vous avais oublié, mes petites. Ça, c'est cool. Du coup, on va là et on monte. Salut les potes! Ah non! Ok. Ok, il va falloir qu'on... Allez, vas-y là, putain de ta grand-mère. Chier là quand ça nous brûle la gueule, il court partout. Ah ouais, non mais ils sont bizarres hein. Ah ok, il y en a qu'un seul de vrai, c'est pour ça, putain. J'aimerais bien me transformer en fait, si possible. Ok, parfait. Donc, ça on a fait. Ok, on a tout fait. Il n'y a plus que le coffre du milieu, qui est certainement la clé du boss. Et puis on sera bon. Alors, voyons voir. Voilà. On a libéré et on va pousser ça. Merde. Ah putain, je fais que de la merde dans la précipitation là. Ok, la clé du boss. Je me demande, je crois que la case rouge, elle m'emmène direct devant la porte. Ok. Zipper, par contre. J'ai très très peur. Donc au niveau de la map, ouais, on est vraiment à côté, quoi. Ha ha ha, vous êtes vraiment coriace. Si vous êtes venu pour m'empêcher de prendre la force, c'est trop tard. Quand la cloche aura sonné trois fois, la cérémonie sera accomplie.
Dans trois petits coups de cloche, je deviendrai Vaati, le prince du mal, et la princesse Zelda ne sera plus qu'un vulgaire bloc de pierre. Le temps presse, Link! Rendons-nous vite au sommet! Oh putain! Oula! Tu as entendu, Link? Il ne reste plus que deux coups, vite! Ok, il s'est suicidé. Je crois qu'on y est là, non? La cloche a encore sonné! C'est affreux, plus qu'un coup et tout est perdu! Ah là, on est au boss, hein. Ok. J'ai bien envie de vous mettre des bombes dans la gueule du coup, hein, à vous. Ok. Ok, toi, on va t'avoir à l'ancienne au lieu de bourriner comme un connard. Ok. Je vais crever. Pas grave. Ah non, vas-y, il m'enchaîne pas par contre. Ok. Ok, en fait, celui-là, il faut le laisser. Il faut que je lui laisse me donner des coups, en fait. Mais que je les esquive pour pouvoir passer. Et le choper ensuite. Ok, par contre, niveau vie, je suis à chier, là. Pourquoi ce chapeau miteux et ce gamin viennent interrompre la cérémonie? Qu'à cela ne tienne, je n'ai pas pu extraire toute la force de la princesse. Mais ça devrait aller. J'en ai assez absorbé pour devenir un sorcier invincible, le maître du monde. Quant à vous deux, vous commencez à m'ennuyer et à fourrer votre nez partout. Ah ok. Je vais vous faire regretter de vous être mis en travers de mon chemin. Bonjour. Est-ce que vous aimez les flèches dans votre œil, par contre? Ok. Aïe. Ok. Bon.
En fait, c'est des potions rouges qu'il me faut parce que là. Je peux pas lui renvoyer. C'est... Ah, faudrait peut-être que je les lui renvoie avec, avec mon épée. On est dans la merde, hein, parce qu'en soi, les fées, ça sert un peu à rien. Ok, je peux pas lui renvoyer. Est-ce que je peux avec mon bouclier? Est-ce que je peux te filer une bombe aussi dans la gueule? Non, t'en as rien à battre. On va essayer avec le bouclier du coup. Ok. Par contre, j'aimerais bien savoir comment t'attaquer. Je suis mort. Ok. Bon. On est mort. Très bien. J'ai aucune idée de comment battre ce mec. L'effet c'est bien, mais les potions rouges c'est peut-être mieux. On nous donne beaucoup de bombes et de flèches, je trouve. Et le problème des fées, c'est que ça me ramène à la vie, mais automatiquement. Mais ça me donne pas beaucoup de vie, quoi. Donc bon. Où est-ce que c'est par contre les dalles de TP? Elles sont là, non? Ok, elles sont ici. Vous savez quoi? On va se faire une petite pause. Parce que j'ai envie de pisser sa mère. Et je vais me refaire un thé d'ailleurs. Du coup, je vous dis à toutes! Thank you.
Iru. J'ai même pas attendu la fin de la pause. La tisane est prête. Je suis passé aux toilettes. Bon, de toute façon, je pense qu'il va nous éclater, hein, parce que je pense pas que ce soit une super idée, les fées. Ok, par contre, on est obligé de se retaper toutes ces conneries là avant de le rencontrer. C'est dommage que ça rentre pas de cœur. Oh, 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 oh. J'ai parlé trop vite. Ah putain, mais on va se faire poutrer avec tous ces connards en armure là, non? Faut vraiment que... Est-ce que je peux leur faire ça, un truc du genre, non? Ok, ça, ils s'en foutent complet. Enfin, en fait, ils s'en foutent de tout, quoi. Alors, non? Aïe! Ok, ok. Ok, ça, ils s'en foutent, mais d'une force! Non, en fait, quand ils sont tous les uns sur les autres, ils sont en mode, genre, ils bug, quoi. Est-ce que je peux vous repousser avec ça? Non, ouais, ils en ont rien à carrer. Ok, ok. Ok, Edin, mais par contre, on s'est bien fait toucher. Mais non, putain, je voulais... Bande d'enfoirés, je voulais sortir mon bouclier, là. Non! C'est quoi le délire? Ah! Ok, en plus je suis timé pour le faire. Ok, ok, d'accord, super. Mon coquin, l'Espagne ridiculise l'équipe du Mali.
Je savais même pas que c'était Espagne-Mali ce soir. Je savais qu'il y avait un match de foot, mais je savais pas ce que c'était. Finalement, les bombes, c'était peut-être pas si con contre eux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller plus vite? Non, hein, je crois pas. Hein. Du coup, il y a combien pour le moment? Donc, va falloir se servir des bombes. Allez, à Brèche. Ouais, voilà, comme par hasard. Hein. Oh, du cœur. Comme par hasard, par contre, la cloche, elle sonne, hein. Pile quand je passe une porte, même si j'ai été super rapide, hein. Let's go, Angèle, l'impératrice. Bonsoir Monsieur Croissant. Pour gagner l'euro, les Espagnols, 2-1. Après moi, de toute façon, tu sais quoi? J'y connais que dalle en foot. Alors, Angèle, l'impératrice, arcane 3, symbole d'intelligence, de discernement et de compréhension. Ça parle de toi, Angèle. Tu es l'impératrice. Tempétueux larmes, au mandat double. Et Nini qui récupère cette saloperie de Zot. Bon alors, on va balancer des bombes, hein. Le fou! Merde, je suis en train de m'exploser la gueule là. Ok, Eda. Putain, il est toujours pas mort, lui. Ok, lui, on va essayer de l'avoir au bouclier. Allez, fais ton attaque, tourbillon à la con, là. Allez! Putain, mais qu'est-ce qui me saoule, lui? Ok. Putain. Vous savez quoi? En vrai.
On va faire une save state ici. Ça va avec ce que je joue en ce moment. Ah bah oui. Avec les The Room, vaut mieux. Ma championne transpire au travail. Je n'aime pas trop ça, qu'elle bosse sous la chaleur. Qui ça? Qui ça? Qui ça? Let's go. Allez, fais-nous tomber. Ah oui, désolé, désolé, désolé. J'étais tellement dans le combat que j'ai zappé. Alors, ton full. Le mât, arcane 8, 22. Ah, je suis désolé, elle est inversée. Qui signifie fin. Mais, de ton propre gré, d'un lien professionnel, amical ou sentimental. Mais de ton propre gré. Donc, c'est quelque chose de voulu. Donc, ça n'est pas si négatif que ça. C'est déjà le cas, donc, is ok. Ben voilà. Bon, et si on faisait la fin de lui aussi, là, de Vaati? Ça serait pas mal, non? Ok, ton gros œil dégueulasse, là. Est-ce qu'on peut éclater ces petits yeux, là? Ok. J'ai cru voir que j'avais mis un coup. Ok, on peut lui mettre des coups. Oh, j'en ai pété un. Ça, par contre... Ok, il y a encore un œil. Viens là, l'œil. Merde. Bah ouais, mais bon... Et ça, je peux pas te le... On dirait comme une bombe. Ah! Putain, je peux l'éteindre. Je peux l'éteindre. Ok. Faut lui bourriner la gueule. Ah putain, il en a 4 maintenant. Ok. Ok. Ok, on va crever, c'est pas grave. Ok, il bouge. Ok. Ok. Oh putain. Ah putain, d'accord. Ils avaient du rouge. Ok. Ils avaient une sorte de protection sur eux. Ok. 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 C'est bon, j'ai compris. Aïe! Ok, on va rester en haut. Ok. Oh! On l'a battu. Ah putain, P2. P2, P2, tu te débrouilles pas mal. Je crois que je t'ai sous-estimé. Tu vas rompre avec Coquille. On le réconfortera à l'aide de Youyou. PS, je suis toujours en l'heure que j'entends pas tes bêtises, Kiko. Mauvaise idée, ça, Lyonis. Pourquoi? Au pire, je lui passe un cosmique presque neuf, très peu utilisé. GG pour la P1, merci. Bon, ça pue du cul, hein, mais bon. Très bien, alors. Qu'est-ce que tu dis de ça?
Ha ha ha, ma force grandit chaque seconde. Tu n'arrêteras pas le prince du mal avec cette ridicule petite épée. Ok? Ok, t'as des yeux à la con. Est-ce que je peux renvoyer ça à... Ok, donc il va nous falloir... Ok. Ah, est-ce que les... Ok, d'accord. Je crois que j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Par contre... Ok. Alors ça va être de ce côté-là, j'imagine. Par contre, faudrait péter toutes ces merdes-là. Ah putain, d'accord. Je peux pas... Par contre, j'aimerais bien que ça me donne des cœurs. Ok, du coup, il faut que je fasse apparaître les bordels. Ok, du coup, il faudrait faire ça là. Putain! Non, mais par contre, t'en as pas marre là de... Non? Juste comme ça, hein. Et ouais, mais on n'est pas du bon côté là. Ok. Faut que je lui ouvre les yeux en premier. Ok. Ok. Ok, ça va être sur le côté là. Ok, on se calme. Putain de saloperie de merde. Ok. Dis-moi que je suis pas mort. Bon, jamais tu crèves en fait. Ok, ça va être en dessous. Bonjour. Ok, let's go. Est-ce qu'il y a une P3? C'est impossible. Je suis le prince du mal. Je ne peux pas perdre, pas contre un gamin. Let's go. On lui a éclataxe la gueule. Alors, c'est fini. Tu l'as vaincu. Dépêche-toi de briser la malédiction. Ok, il me restait deux fées. GG Coquille, merci, merci. Allez Link, c'est le moment ou jamais. Rends son apparence normale à Zelda grâce au pouvoir de l'épée de 4. Link, je suis si heureuse de te revoir. Même transformé en pierre, je n'ai jamais cessé de penser à toi.
Elle a l'air d'être complètement remise. Nous sommes arrivés juste à temps. Oh oh, ça va s'effondrer. Vous avez vu, le château s'effondre. C'est trop dangereux de rester ici. Dépêchons-nous de sortir. Mince, la sortie est condamnée. Réfugions-nous dans le sanctuaire. Le sanctuaire. C'est tout droit, non? Comment est-ce qu'on y va? Ok, ouais, on fait le chemin inverse. Avant, j'ai envie de récupérer les fées. Parce que ça pue du cul. J'y crois moyen. Genre là, c'est un peu comme si on avait battu Ganondorf. Non mais viens là par contre. Merde le con. Et du coup, je me demande si là, en gros, on va pas avoir à tuer Ganon. Ok. Donc, on a récupéré tout notre bordel. Trop balèze. On a trouvé la princesse Link. Ah non, c'est pas Tunique. Tunique, quelle merveille. Comment ça, je suis pas objectif? C'était trop bien, Tunique. J'ai adoré aussi. Donc, le sanctuaire. Ok, voilà pourquoi. Ça pue du cul. Je vous laisserai pas vous enfuir maintenant que j'ai acquis la force. Je vais vous montrer mon vrai pouvoir. Le pouvoir de Vaeti, le prince du mal. Alors, déjà, on va save. Ok, il va y avoir un délire où il faut qu'on se transforme en Minish. Est-ce qu'il faut aspirer? Tu peux me laisser tranquille, en fait? Ah merde! Je suis tombé. Est-ce qu'il faut que je t'aspire le bras? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ton bras, le bombé? Le retourner? Tu peux me laisser tranquille? Est-ce que ça le renverrait vers chez toi? Oh! Oh putain! Oh putain, putain, putain! Rentre dedans. Attends, il y en a un qui a un œil foireux. Ok, c'était bien lui du coup qu'il fallait éclater. Vas-y, on sort de là. Et donc, ok, on lui a pété son œil. Ok. Trop chelou. Ok, il nous faut la lanterne. C'est lui. Ok. Est-ce que je peux lui éclater la gueule maintenant? Ok, il a ses yeux d'ouvert. Ok, il va falloir certainement qu'on les flingue. Oh putain. Comment je fais?
Ah putain, mais je suis con moi. Il y a ça. Ok. Ok. Merde, putain, j'ai voulu... Eh oui, mais si tu vas sur le bord, moi, je peux pas, hein. Tu peux... Ah ouais, non, mais là, t'as bugué du cul, en fait, mon gros. Et ouais, non, mais là, t'as bugué, mon gros. Je peux pas t'atteindre. Ah, putain. C'est maintenant que tu te réveilles. Et non. Genre, on tire tous... Je comprends pas, là, du coup. Ah, ou faut qu'on soit des miniches. Genre, t'as des petits yeux, du coup... Non, non, même pas. Je ne comprends pas. Il faut qu'on fasse une grosse attaque. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je peux faire? Franchement, là, j'ai du mal, hein. Ah, faut peut-être qu'on lui renvoie ses boules dans la gueule. Alors, attends. Et merci, Ulva, pour le resub. J'espère que tu vas bien. Alors. Ok, ça on va... Merde, mais quel con, putain. J'espère que ça s'est bien passé sur Ori. Ok, c'est bon, c'est ça. Il faut les renvoyer. Bon, par contre, faut bien qu'on s'en fasse, on dirait. Ok. Let's go, let's go, je te bourrine la gueule. Est-ce que tu vas me ressortir tes mains à la con? Ok, ça a pas marché. Let's go, let's go, let's go. Ah putain, d'accord, il faut lui en mettre encore plus maintenant. Ses yeux, ok. Ses yeux, ils ont peut-être 3 vies. Ils avaient 2 vies tout à l'heure, là ils en ont peut-être 3. Ok. Ok, encore une vie, non?
Ah putain, vas-y là. Non, pourquoi ça les a pas eu? J'étais trop près. Ah bon? Et genre, pourquoi ça m'a touché en fait? Merde. Putain, mais pourquoi ça marche pas? Ah bah voilà, là ça a marché. Oh! C'est la fin ou... C'est impossible, la force, le prince du mal ne peut pas perdre. Oh, ça sent la fin. Ah, c'est genre le chapeau de Vaati, ça. J'ai le diamant violet. Je t'écris plein d'insultes, Yulva. Link, tu es sain et sauf. Tu as réussi à vaincre Vaati, c'est un grand soulagement. Mais mes pertes sont terribles. Je suis dans le mauvais jour du mois. Le château, ses habitants... Oh, du coup, on a brisé aussi la malédiction de du petit gars. Je pars au dodo, j'ai sport à 5h du mat demain. Strongman avec mon coach, mais réveil 5h, bordel à cul. Eh ben, bon courage. J'espère que tu vas trouver le sommeil rapidement. Et puis, let's go pour le sport demain. En tout cas, des bisous. Et passe une bonne nuit. Des bisous. Ça alors, j'ai retrouvé ma forme normale. Maintenant que Vaati n'est plus, sa malédiction s'est dissipée. Mon nom est Excello. Je suis le gardien du savoir des Minishes. C'est moi qui ai créé le chapeau magique que portait Vaati. À cause de moi, les humains ont subi de nombreux tourments. Je vous demande pardon. Beaucoup de gens nous ont quittés et le château est très endommagé. Mais il ne faut pas perdre espoir. La force est toujours là, dans le cœur de Zelda. Et nous avons le chapeau. Allez, fais un vœu, Zelda. C'est porté par une personne au cœur pur qu'il révèle son véritable pouvoir. C'est à vous de jouer, princesse Zelda. Faites un vœu et pensez-y très fort. J'aimerais que Link parle, soit doté de paroles. Je prépare un oreiller demain matin pour ronfler. Alors, du coup, elle a fait le vœu que, quoi, que le palais redevienne comme avant, que Vaati n'ait jamais existé. Let's go! Ah, du coup, ouais, tous les monstres vont retourner dans leur boîte. Regarde, le château se reforme et les gens retrouvent leur aspect normal. Tout redevient comme avant. Voilà, très bien. Quel flux d'énergie vitale, si puissant qu'il consume le chapeau. C'est un chapeau à vœux, son pouvoir matérialise les pensées de son porteur. Ok, ça a carrément flingué le chapeau, quoi. Le cœur de Vaati était trop sombre, il l'a changé en sorcier maléfique. Mais celui de Zelda, rempli d'amour et combiné à la force, a créé un miracle.
Bien, je crois malheureusement que le moment est venu de nous quitter. La porte qui s'ouvre une fois par siècle sur le pays des Minish va se refermer. Le mal a été repoussé et la princesse Zelda a ramené la lumière sur Hyrule. Je dois retourner parmi les miens. Désolé d'avoir causé tant d'ennuis. Link, ce fut un plaisir de voyager avec toi. Je suis un peu triste de devoir te quitter. Accepte ce cadeau. Let's go. Parabara. Notre bonnet. C'est la première fois que je te vois comme ça. Ah non, c'est Zelda qui dit ça. C'est la première fois que je te vois comme ça. Il te va bien, petit héros. Ah non, c'est peut-être l'autre. Non, c'est l'autre. Porte-toi bien. Adieu. Ok. Faut pas oublier, c'est pas fini. Il faut qu'on aille voir Bigoron maintenant. Il est trop mime, s'il a la même tête que dans Wind Waker. Tabadapapam. Ah mais c'est ça, ils ont la gueule de Wind Waker, non? Trop bien. Franchement, il était génial. J'ai adoré. Il était trop trop bien. Ouh, je suis fatigué. Pa-pa-pa-dam. Du coup, ouais, il faut qu'on aille voir Bigoron. Ensuite. Je crois qu'il n'y a plus que ça. Hein. Ah oui, et du coup, aller voir s'il y a des nouvelles figurines aussi. Parce qu'apparemment... Ils se sont plantés dans les traductions ou dans je sais pas quoi, mais la statuette de Tingle, elle s'appelle la médaille Tendo. Et Tendo, c'est les figurines. Donc j'imagine que il va peut-être y avoir les gars en armure là qu'on a croisés. Il va certainement y avoir les formes de Vaati. Peut-être la forme Minish de Excello aussi. À débloquer en figurines, et je pense qu'une fois qu'on les aura toutes, on devrait avoir la médaille Tendo, qui du coup s'appellera peut-être la statuette Tingle. Je viens de chauffer mon miam, je regarde ça. Et ben bon app à toi, Yulva. Du coup, ouais, donc figurine pour avoir la médaille et aller voir le Goron géant là. Voir ce qu'il nous veut. Merci mon coquille. Ouais, le Goron géant. Il voulait un exploit. Je vois pas ce que je peux faire de plus, là. C'est ainsi que prend fin la première aventure de Link. C'est pas sa première aventure. D'autres dangers pourraient menacer Zelda et le royaume d'Hyrule. Mais Link sera toujours prêt à les défendre. Tant que la force sera là pour le guider. Et perdument. Même si c'est un tourment. All rights, including the copyrights of the game, scénario, etc. Sauvegardé. Hop, alors. Faut qu'on aille voir... Ah, du coup, on a le petit morceau de Triforce.
Genre parce qu'on a eu la force. Bah cassons-nous du coup. Et Jawad, je viens de faire un coucou mon coquille, comment ça va? Je viens de terminer le jeu. Du coup là il me reste... Il faut que j'aille à un endroit. Dans la montagne, parce qu'il y avait un goron géant qui m'a dit réalise un exploit et genre reviens me voir quoi. Donc là, bah, l'exploit, on vient de le faire, hein, on vient de défoncer le gros méchant. On va aller voir les figurines déjà, s'il y en a des nouvelles. Ça, merci, et toi, mon BG, cool GG, merci, merci. Merde. Du coup, on a peut-être quelques figurines à obtenir. Vu qu'on a eu trois formes de pour le boss final, etc. Donc on va voir ça. On va voir ce que nous veut le Goron aussi. Et puis on aura terminé à 100% le jeu. Alors, voyons voir. Est-ce que tu as des nouvelles figurines? Je t'attendais, j'ai trouvé des idées. J'ai fabriqué une dernière série. Ok. Alors, je vais faire la technique que j'ai fait en off pour pas trop dépenser. Déjà, on va faire juste 1% pour voir. On sait jamais. Ah bah ça c'est nouveau. Tu déposes ta nouvelle figurine. D'ailleurs, combien il y en a? Il y en avait 130. Ça doit être tout à la fin, du coup. Allez, allez, 130. Ok, donc il en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ok, il a fait 6 nouvelles figurines. Je reste pas mon coquille, mais je voulais venir te bisouter la face, ta face de beau gosse de fou furieux. Eh ben merci. Des bisous, mon Jawad. À bientôt. Hop, du coup, la technique, comme je disais, de la save state... Ok, donc ça, on l'avait déjà. Donc je charge la partie. On va monter à 25%. Putain, c'est pas assez. Vous avez vu, du coup, j'ai le même... la même figurine. Quel que soit, voilà. Là, je mets 50% du coup. Putain, c'est encore vert, ça pue. Et donc, j'ai fait ça toute la matinée. Voilà, encore la même. Du coup, il faut plus de 50%. J'ai fait ça toute la matinée pour avoir les 130. Allez, 75%, ça suffit ou pas? Ah, bleu. C'est possible. C'est nouveau, ça? Ouais, cool. Il nous en manque 4. Mais on n'aura pas assez de... On n'aura pas assez de coquillages.
On va aller en acheter au marché. En plus, je suis blindé, là. Par contre, on va aller voir le bigoron. En gros, il me faudrait peut-être, je sais pas, 500 coquillages. Sauf que là, du coup, j'en ai que 200. On va aller voir le bigoron, parce que si c'est comme dans Ocarina of Time, et qu'il nous forge un truc, et qu'il faut du temps, on va le faire dès maintenant. Badi badaboum, bidam. Montons. Putain. Alors. Wesh, gros. C'est gentil de me rendre visite dans un endroit aussi perdu. Oh, mais ce ne serait pas un bouclier que tu as là. Je l'avais déjà. Hein. Cette tablette de fer dont raffolent les gorons gourmets. S'il te plaît, fais-moi goûter, juste un petit bout. T'inquiète pas, je goûte et je te le rends tout de suite. Bah vas-y, de toute façon, je peux en racheter un. Mais tu ne pourras plus utiliser ton bouclier pendant que j'y goûte. T'es sûr? Ouais, vas-y. C'est vrai? Merci beaucoup. Eh bien, à table. Miam, miam, délicieux, c'est à la hauteur de sa réputation. Et donc? Laisse-moi déguster encore un peu. Si je descends et que je remonte, tu me le rends ou... Ok, bon bah on va se casser de là. Donc ouais, c'est comme dans Ocarina of Time. Il faut lui laisser faire un truc avec, j'imagine. Balipapoupipopam. On va récupérer du pognon. Donc ça aussi, je l'ai énormément fait ce matin. Pour avoir un maximum de coquillages. Pour récupérer 130 figurines. Donc là, ça va, il n'y a que 6 figurines, ça devrait aller vite. Hop, on save. C'était pas le bon coffre, on charge. Oui, c'est de la triche, mais ça va plus vite. Ok, c'était le bon. Ok, encore. Ok, là, c'était pas le bon. On charge et on prend le bon. Et donc, ouais, vous imaginez, j'ai fait ça. Let's go. J'ai fait ça une bonne partie de la matinée. C'était un petit peu rébarbatif. Surtout pour. Merde. Surtout pour 130 figurines à la con. Hein.
Mais il le fallait pour le 100%. Parce que sinon, j'avais pas le dernier quart de cœur. Bon, essayons d'avoir d'avoir les dernières figurines. Badibadoubidoubam. Bien sûr que je veux. Alors, un coquillage, 2% de chance d'avoir une figurine qu'on n'a pas. Ok, celle-là, on l'avait déjà. On va mettre direct 50%. Ah, ça pue, c'est la même couleur. Ok. Celui-là, on l'avait pas. Ok. Je teste toujours quand même un coquillage, parce que bah vous avez vu, avec la première, ça a fonctionné, et au moins, ça coûte rien. Enfin, ça coûte un coquillage, quoi. Ok, celle-là, on l'avait déjà. On va aller à 50%. Ok, il faut plus de 50%. On va aller à 75. Et si je faisais pas de save state, je perdrais les coquillages que je mise là. Du coup... Waouh, Vati, prince du mal! Ok, il nous reste 176... 176 coquilles. Est-ce qu'il nous resterait pas deux statuettes à trouver? En vrai. Genre les deux autres... Les deux dernières formes de Vati. Ok, ça, je l'avais déjà. J'allais dire, fais gaffe au save. Trop rapide, coquille. Ah ouais, ouais, ouais. Non, j'ai passé la matinée à faire ça. Ça m'a assez rendu dingue. Ok, deuxième forme de Vati. Deuxième ou troisième? Et let's go, Linky! Merci pour le raid! Comment est-ce que vous allez? Coucou Paddle, coucou Linky. Comment ça va? Salut Xuti. On a terminé le jeu. On est en train de fignoler le tout restant du 100% qui n'était même pas accessible avant qu'on batte le boss final. Et du coup, là, on est en train de faire le 100% d'après-boss. Alors attendez, un petit saut pour Linky. J'ai vu que tu faisais Pokémon, non, ce soir? Ah voilà, c'est ça. Pokémon Sun Moon. Vraiment. Oh là là, let's go les pourcents, oui. Ouais, j'avance sur le marathon. Ça avance bien, du coup.
Oh, le petit godet là qui fait du bien là. Tu m'étonnes, viens voir maman. Ouais, et du coup, nous, voilà. On est avec cet enfoiré qui nous fait des figurines. Il nous fallait toutes les figurines du jeu pour avoir un pauvre quart de cœur. Du coup, j'ai farmé toute la matinée. Enfin, c'était une horreur. Et là, il vient de nous pondre 6 nouvelles figurines. Parce qu'en fait, c'est les monstres qu'on rencontre dans le jeu. Et donc, comme le boss de fin, on l'avait pas encore rencontré, on a ça comme nouvelle figurine. Ça, le prince, le boss de fin, sa deuxième forme. Et du coup, là, il me reste plus que sa troisième forme à débloquer. Et on vient de donner aussi notre bouclier à un goron géant qui nous rappelle Ocarina of Time, bien entendu. Un bigoron. Et du coup, il va falloir aller le voir. Oh putain, la récompense naze. C'est comme tous les échanges de... Tous les assemblages avec les villageois, avec d'autres PNJ, un petit peu partout sur la map. Ça m'a donné ça. La statue... D'ailleurs, il y a un problème. Medai Tendo, normalement, c'est ce qu'on gagne avec les figurines, je pense. Et ça, c'est la statuette Tingle. On gagne cette pauvre statuette quand on fait tous les assemblages du jeu. Il y en a 100, apparemment. Mais bon. Du coup, on va pouvoir lui filer 100 balles direct. Vu que c'est la dernière figurine. On va y aller plein pot. C'est lequel de Zelda que tu fais ensuite? Normalement, c'est Force Words. Pas le Force Words Adventure, mais Force Words. Sauf que, apparemment, c'est un multi. Donc, va falloir que je vois. Sinon, apparemment, peut-être la version de l'anniversaire des 25 ans de la 3DS, il se fait en solo. Mais va falloir que je vois pour un émulateur, etc., etc. Bim! Il tombe en arrière. On a tout, normalement, non? T'as gagné toutes les figurines que j'ai fabriquées! T'inquiète pas, j'en prendrai grand soin. Tu peux venir les admirer quand bon te semble, pour te récompenser. Ah, voilà. Il m'offre la médaille Tendo. Donc, c'était une petite erreur de trad. J'espère que t'es fier d'avoir reçu la médaille. C'est après que t'es un grand collectionneur. Ah, voilà, donc c'est ça, ils se sont plantés. Ça met Trophée Tingle ici et Médaille Tendo ici. On a tous les cœurs, on a tous les flacons. Et apparemment, il y a un bug sur la version française qui fait que je ne peux pas avoir 99 bombes. Parce que l'amélioration, elle est censée se trouver ici. Et elle y est pas. Ok, du coup, il me vend plus de coquillages. Et donc, ouais, elle y est pas. Donc, du coup, nous, on peut pas. Bon, après, en soi, c'est que contre des rubis. Donc, le 100%, en gros, je l'aurais eu. On va aller voir Monsieur Bigoron. On va voir ce qu'il voulait foutre avec notre bouclier et puis on aura poncé le jeu. Alors qu'est-ce que tu fous? C'est trop bon, laisse-moi déguster. Ah ouais, mais non, mais poteau, là on n'a pas le temps quoi. On n'a pas le temps là. Est-ce que c'est comme avec les fleurs, genre il faut que je bousille un certain nombre de mobs et que je revienne? Parce que si c'est que ça, moi je le fais, hein.
On va faire ça. Merde. Ok, ça me va bien. On en a buté combien là? Ah là, il y a les bâtards à rubis. Ok. Bon bah d'ailleurs. Est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'il en veut plus? Ça m'étonnerait que ça lui suffise. Hein. Ah putain, vas-y, laisse-moi déguster. Non mais... On n'a pas que ça à faire, monsieur Bigoron. Bah vas-y, on va aller là, et puis on va essayer d'en défoncer, on va essayer de défoncer un peu des mobs. Je veux un cœur pour pouvoir frapper de loin. Ah, ça me va aussi. Non. Putain, mais c'est pas possible ça, de se faire toucher aussi connement. Ok, on a fait apparaître une fée. Viens là, toi, s'il te plaît. Point, 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 point. Ah, la saloperie, elle m'a touché. Bon, ça suffit ou pas, là? Ou il faut tuer encore plus de mobs? Vas-y là! Je bourrine trop aussi. Ah oui, mais j'ai pris beaucoup trop de coups. Ça sert à rien. J'ai bien envie d'aller voir... J'ai bien envie d'aller voir le Bigoron.
parce que sinon ça va être trop chiant. S'il faut. De toute façon, il n'y a pas de notion de temps, je crois, dans le jeu. Donc ça peut être qu'une histoire de mobs, de nombre de mobs qu'on a attaqués, je pense. Et tu disais, ouais, Linky, que c'était naze pour le temps que ça prenait et tout, mais ça, en fait, c'est typique, typiquement comme les Korogu, quoi. C'est le gros foutage de gueule pour de la merde, quoi. Mais je déteste quand même beaucoup plus les Korogu. Je déteste quand même beaucoup plus les Korogu que l'histoire des figurines et des assemblages. Allez, dis-moi que c'est bon. Ah, il a changé de phrase. C'est vraiment un régal. Merci beaucoup, petit. Grâce à toi, j'ai pu me délecter de ce goût exquis dont on m'a tant parlé. C'est un peu à contre-cœur, mais je te rends ton bouclier. Tiens, prends-le. Je vais le recracher. Oh, c'est un nouveau bouclier, ça. Recevez le bouclier miroir. Utilisez-le pour renvoyer les attaques de vos ennemis. Eh ouais, non, mais super. On l'a à la fin. J'ai l'impression qu'il a un peu changé de forme. Mais c'est pas grave. Quelle que soit sa forme, un bouclier reste un bouclier. Enfin, j'imagine. Bon, eh bien, à la prochaine. Si tu trouves encore un de ces boucliers, pense à moi. J'avais déjà l'eau à la bouche. Ok, donc on a le bouclier miroir. Mais on ne peut l'avoir qu'après avoir battu le boss de fin. Donc, bon, bah, c'est pas un truc de dingue, mais on va dire que c'est pour le 100%, quoi. Et bah, du coup, on a poncé le jeu. On a poncé le jeu. On a les figurines. On a eu tous les précis d'escrime. On a tous les cœurs. On a toute la map. On a tout maxé le plus possible. On a l'épée de 4. On a le bouclier miroir. On a les bombes télécommandes. On a l'arc de lumière. On a le boomerang magique. Bah voilà. Hein. On l'a poncé. Donc ça, c'est trop bien. Du coup, c'est 100%. Une fois de plus. Donc le prochain, ce sera Force Wars. Mais, la version que j'ai, c'est la version multi. Tiens, le facteur, je te bloque. T'as qu'à me sauter au-dessus. Tu m'as pourri la vie pendant le jeu des cocottes. Du coup, ouais, il faudra que je me renseigne pour un émulateur. Et pour prendre la version anniversaire qui apparemment peut se jouer en solo. Ou alors, faudra que je trouve quelqu'un avec qui jouer. Donc on verra. On verra. Je vais essayer de trouver ça rapidement. Parce que bah, j'aimerais bien enchaîner. Comme on a fait avec Skyward Sword. C'était plutôt sympa, je trouve. Tac. Du coup, je pense qu'on va se faire un petit raid, hein, en vrai. On va se faire un petit raid. Voyons voir. Tac. Qui est-ce qu'on a ? Blippo, je l'ai fait hier.
Bonne nuit, merci pour le live. Des bisous, Angèle. Et certainement à demain. Chez qui allons-nous aller? Ah, après, il y a Kappa qui est sur Mad Max. La dernière fois, elle m'avait raid. Je pense que je vais lui faire un petit raid. On va passer sur l'écran de fin. Merci, Cosmic. Pour une fois, je finis tôt. Bah alors, il n'y a pas de musique. Pourquoi il n'y a pas la musique? Ah bah, elle est là. Pour une fois, je finis tôt. Parce qu'on a, poncé le jeu. Et ouais, je vais chercher déjà maintenant comment faire l'émulateur et tout ça. Je prépare le raid. Je vous mets le nom et le lien de la chaîne où on part si jamais vous êtes expulsé. Hop. Et merci à Fastos pour son raid. Merci à Linky pour son raid. Merci à Yulva pour le resub et merci à Pascal pour le resub. Et moi, je commence tard. Tu commences tard les jeux. Tu vas jouer avec ta polonaise. En tout cas, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez autant kiffé que moi Minish Cap. Franchement, il est super ce jeu. Je suis trop content d'avoir eu cette idée de marathon parce que du coup... ça me permet de découvrir des Zelda que j'ai jamais fait, que je ne connaissais pas. Il y en a même, j'avais même jamais entendu le nom. Donc, du coup, c'est génial. Le prochain Force Wars. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et peut-être à demain, si j'ai la solution pour pouvoir y jouer. Des bisous!